Donc là, il y avait une fraise qui ne tenait pas, qui était sur un support métallique, qui était rouillé. Donc après la dépose, l'enduit qui était derrière ne tenait pas. Donc ce qu'on a fait, on l'a dégradé. Et en le dégradant, on a découvert une porte en brique qui se trouve juste derrière la statue et qui devait correspondre à l'origine à l'accès dans le clocher. Mais comme ça n'a plus d'utilité. On a une ancienne photo qui nous était donnée par le Saint-Crestin, qui nous permet de reprendre tous les motifs qui étaient effacés dans le temps. Et grâce à ça, en fait, mon collègue, il peut reproduire, il peut tracer tout ce qui manque pour qu'on puisse après réintégrer et redonner l'image que le décor a eue depuis qu'il a été créé. Voilà, là je suis en train de restaurer des statues, donc il manquait le pouce de la main droite et ensuite tous les doigts de la main gauche. Donc là c'est en cours, c'est bien avancé, sur la main droite c'est bien avancé et puis il reste à finir la main droite quoi. Donc tout ça c'est restauré avec du plâtre de synthèse quoi, il faut reconstituer toute la main en fait, parce qu'il ne restait plus rien quoi. Donc là on imagine un petit peu comment c'était, on projette les choses et puis ben, on s'y attelle et on le fait quoi. Voilà. Là, je suis en train de remonter l'armée puisqu'on a changé la gouttière. L'architecte a décidé de refermer ses fenêtres, donc du coup de nous demander de recréer la mosaïque manquante, en fait, la lacune manquante. Donc nous, là, on est en train de poser les panneaux qu'on a réalisés en atelier. Des panneaux sur calque pour permettre une pose plus rapide et puis surtout plus souple parce que vous voyez que le support est quand même très incurvé, donc la pose est un peu compliquée.